Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis le t-shirt Smiley Rose. C'était l'anniversaire aujourd'hui de Stéphane Plaza, donc envoyez vos messages à Stéphane Plaza, bien sûr. Mais je crois qu'il vaut mieux aller sur Instagram, parce que sur Twitter, il lit pas du tout ses messages. Hein. Donc voilà, donc on a pu voir que le maître de midi avait le look Jean-Paul Gaultier, 34 450 euros à son compteur, au coup d'envoi la première question, dans quel vêtement finit la souris verte à la fin de la comptine. Il savait pas, mais c'était l'autre, c'était dans la culotte, ben voilà. Donc c'était étonnant. Après vous aviez Bruno Ricard, c'est bien lui qui l'a dit, alors qui gardien du musée de Paul Belmondo, donc Paul Belmondo, le papa de Jean-Paul Belmondo. Et en plus, il est. Et bon, il était venu avec son fils, mais en plus, il est le plus grand collectionneur de Brigitte Bardot. Donc moi, je m'en rappelle, j'avais fait un t-shirt Brigitte Bardot, on voyait Brigitte Bardot en train de. J'avais fait un petit montage, on voyait Brigitte Bardot en train de faire le doigt d'honneur, et c'était bébé phoque. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire du bébé phoque. Donc, sa question auprès de Florence, pourquoi un prêtre a-t-il récemment été condamné à 2000 euros d'amende? Eh bien, parce que il abusait des cloches. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez Léandre, voilà, qui avait un t-shirt un peu genre jockey, qui était venu avec tous ses amis. Oh, regardez, il a écrit trop mignon! C'est pas comme ça, trop mignon. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que Lingayo, devenu tellement tendance grâce aux stars de la K-pop? Eh bien, c'était un sandwich. Donc, lui aussi est passé à l'orange. Après, vous aviez, je crois que c'est Maiwen. Ouais, je crois que c'est Maiwen qui était. Mais bon, comme elle était toute seule, bon, ils n'ont pas noté son prénom. Alors, qui fait Bam Bam en duo avec Camila Cabello? Ça, c'était connu. C'était Ed Sheeran. Donc, elle aussi est passée à l'orange. Ensuite, quel acteur a incarné Pierre Morange dans le film Les Choristes? Donc, bien sûr, c'était Stéphane Meunier. Meunier, là, je ne sais plus son prénom. Par contre, c'était aussi. Donc. Quand il était plus vieux, c'était. Ah, je sais plus, celui qui est décédé il n'y a pas longtemps, là, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Ensuite, selon un chirurgien américain, dans certains cas rares, les pets silencieux peuvent, eh bien, rendre aveugle, c'est étonnant. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Au dit duel. Il a pris Maiwen en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel pays est traversé par la cordillère des trucs, des Andes, et eh bien c'était donc le Chili. Donc voilà, donc c'était une question qui était assez facile. Donc ensuite, eh bien Maiwen, Alexandre et Léandre se retrouvaient donc au coup par coup. Alors, si l'on remplace les points par singe, quelle expression apparaît? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était peignez-le, puisque c'était peigner la girafe. Donc voilà. Ensuite, dans quel film l'intrigue se déroule-t-elle sur une journée? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le 13e jour, je crois. Donc là aussi, il est passé l'orange. Ensuite, quelle proposition est un tube de Bob Sinclair? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Maiwen qui l'a donné, c'était Panama. Donc sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Léandre en duel, qui est tombé sur une question un peu tordue quelque part, qui dit « Lève-toi » dans le titre d'un 45 tours enregistré en 86. Donc il a dit Julie Pietri, et c'était bien ça, mais bon, je pensais que c'était Ève Lève-toi plutôt que Lève-toi. Mais bon, donc c'était quand même la bonne réponse. Donc bye bye, I'm my when. Donc ensuite, Léandre et Alexandre, et beaucoup de Andres sont passés donc au coup fatal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub, et puis un beau dessin de Suisse avec une petite fille qui n'aura qu'à écrire Jean-Luc, comme ça, mais c'était mignon. Donc, en plus, ah oui, tout à l'heure, j'ai reçu un message, c'est pour ça que j'ai bafouillé un moment sur une question, parce qu'on m'a dit que, quand je vous ai parlé de Maël ou Mayel, je sais plus son prénom, Yael, que c'était pas lui qui était dans la photo. Oui, c'est vrai, j'ai fait exprès, j'ai pris, c'est Cola qui est dans la photo, mais c'est bon, comme j'ai pas la photo du prochain maître de midi, j'ai pris donc un ancien maître et je l'ai flouté pour faire croire que c'était bon, ben voilà quoi. Donc, puis surtout, bon, Cola n'avait pas 45 ans, hein, donc voilà. Alors sinon, allez, début du coup
coup fatal. Alors bon, si Léandre regarde bien la vidéo, il va se rendre compte que bon, et puis c'est pareil pour Alexandre, hein, donc il va bien se rendre compte que le candidat en face a eu des questions de merde. Quel acteur aujourd'hui oscarisé faisait partie des Nous c'est nous? Donc bien sûr, c'était Jean Dujardin. Qui incarne la femme de John Kennedy dans le film Jackie? Alors déjà, pour connaître ce truc-là, c'était Nathalie Portman, donc déjà une question difficile pour Léandre. Ensuite, quelle espèce de dinosaure tortue, roi de Koopa Troopa et le principal ennemi de Mario Luigi? Je connaissais pas lui, il connaissait, donc je ne sais pas ce que c'était. Quelle pièce est la plus représentée au début d'une partie d'échecs? Bon, bah le pion, hein, donc voilà, question facile. Ça fait penser à facile et l'autre, c'est quoi? C'est basique. Vous savez, Orelsan, quand il fait passer. Bon, passons. Ensuite, quel nom porte la période durant laquelle le petit d'un mammifère se développe dans le ventre de sa mère? Donc, ça, c'était la gestation, c'était facile. Quelle couleur peut être canard ou bouteille? Bon, ça aussi, c'était facile, c'était vert. Donc, ça, c'était pour Léandre. Dans quel pays la Carinthie se situe-t-elle? Donc je crois que c'était l'Autriche, je connais pas. Quoi, je connais l'Autriche, mais je connaissais pas ce truc. Quel mot de quatre lettres désigne la bande qui entoure le manche d'une raquette de tennis? Alors ils ont dit un nom, j'avais jamais entendu parler. Donc comme on peut voir, ça c'était pour Léandre dans les questions. Quel animal glatit ou trompette? Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était l'aigle. Donc voilà, encore une question dure pour Léandre. Sur la peau d'un ado, qu'appelle-t-on des stars? Ça, il savait, c'était les boutons. Dans quel pays asiatique la station balnéaire de Pattaya se situe-t-elle? Donc ça, c'est une question pour le maître de midi. Donc Pattaya, bien sûr que c'est en Thaïlande. Et à la fin, quel type de céleri est souvent assaisonné à la sauce rémoulade? Donc bien sûr, c'était le céleri rave. Donc sur cette question, eh bien, Léandre a été éliminé, mais comme il a pu voir, il a eu quand même pas mal de questions difficiles. Et puis bon, le maître de midi, il lui restait 46 secondes. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors là, j'étais sûr qu'ils allaient le planter parce que ça m'a fait. Bon, parce qu'il y a des gens qui pensent que le jeu est, comment dire, est un jeu aléatoire. D'accord? Bon. Et ce qui me fait rire, c'est que vous allez voir que c'est pas aléatoire. Parce que pourquoi, en temps normal, les questions, vous avez en général quatre questions faciles et une difficile. Tandis que là, eh ben, ils ont mis plein de questions difficiles. Pourquoi? Parce que c'était pour que les gens téléphonent. Et puis, alors, donc, les gens qui ont téléphoné aujourd'hui, c'est complètement idiot. Parce que vous avez appelé pour rien. Parce que demain, il y a des gens qui vont téléphoner. Et dans les gens qui ont téléphoné demain, c'est eux qui vont gagner. Donc, tant pis pour vous. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez vous faire rembourser. Alors, depuis 2006, Stéphane Plaza présente recherche pour appartement. Ça, c'était facile. Ensuite, quelle céréale entre dans la composition des abricots Condé? Vous voyez, donc, question hyper dure. Donc, il a dit l'orge perlée et c'était le riz. Donc, même Jean-Luc Reichmann ne savait même pas ce que c'était que les abricots Condé. Moi non plus, je pensais que c'était un truc africain avec le nom. Que contient une fondue moitié-moitié? Donc, bon, bah, pareil, question difficile. Alors, bon, bah, il a dit moitié-moitié, donc de la viande et du fromage. Ça semblait évident. Eh ben non, c'était deux fromages. Donc, voilà. Donc, il a encore perdu encore une étoile. Vous voyez, quand ils volent, donc voilà. Ensuite, les ballons anti-stress, bon ça c'était facile, les ballons anti-stress sont conçus pour être pressés et manipulés, donc c'était facile. Et puis à la fin, si vous annoncez que Mademoiselle Rose est assassinée, le docteur Lenoir dans le petit salon avec le chandelier à qui le jeu êtes-vous en train de jouer, bon ben, ça c'était facile, c'était le Cluedo, donc mais ils l'ont quand même, hein, voilà, avec un B. Parce que bon, comme on peut voir, il y avait quatre cases dans l'étoile, et là, il en a trouvé que trois, donc il a, bon, on va voir. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors bon, bah, comme on avait pu voir l'étoile mystérieuse, c'est vrai que moi, j'étais parti sur, j'avais dit, bon, jusqu'à présent, j'étais parti sur un homme, et après, donc, j'étais parti, je m'étais dit, non, non, c'est sûrement une femme. Donc, par rapport à ça, donc, j'avais changé mon braquet, comme dit. Et puis, donc, aujourd'hui, donc, il a annoncé, je sais plus, il a dit Meryl Streep. C'était pas idiot par rapport à la photo. Et puis, bon, moi, j'étais parti sur Amber Heard, d'accord? Bon, bah, elle a pas la même bouche. Et après, j'ai agrandi la photo, et qu'est-ce que j'ai reconnu? Bah, une connasse. Bah oui, c'est une connasse dans l'étoile mystérieuse. Donc voilà. Pourquoi une connasse? Ah oui, c'est Camille Cotin. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Camille Cotin, donc c'était elle qui avait
qui s'est fait connaître hein, grâce à Conas. Donc, alors bon, alors pour l'histoire de la reine d'Angleterre, etc., donc ça, je sais que c'était connu. Le truc gay, bon, il va falloir que je fasse des recherches. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah, si, le truc gay, parce qu'elle était gay dans la série qui est tournée à côté de chez moi, là, je sais plus, 10%. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, la bulle. Bah, je ferai des recherches, hein, je ferai des recherches par rapport au reste. Hein, mais bon, le Japon, tout ça, je crois que j'étais parti complètement à l'ouest. Donc voilà, bah, pour finir, le t-shirt, si vous connaissez l'expression d'Hanouna, c'est les Anglais. Donc voilà, c'est qui? C'est les Anglais. Et puis bah, le t-shirt pour la fête des pères, DILF, Dad, I'd like to fuck, sur le site tropmignon.com. Donc je pense que demain, le maître de midi, va trouver l'étoile mystérieuse, mais comme on a pu voir, ils ont tout fait pour qu'ils puissent pas la trouver. Et puis, bon, moi je trouve ça rigolo de pouvoir dire que dans l'étoile mystérieuse, c'est une connasse. Donc voilà. Et puis, comment dire, je referai une recherche tout à l'heure pour vous faire par rapport à l'étoile mystérieuse. Allez, à tout à l'heure, bye bye.